J'ai postulé sur internet, maintenant je suis là. Bah, c'est sa première prestation, elle était assez stressée, mais je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie. Face à un public, tout va bien. La fête de la musique, c'est l'occasion pour de jeunes groupes antoniens ou de villes alentours de jouer sur une scène avec du matériel professionnel. Démarche qui va pouvoir être poursuivie dans les studios de répétition qui vont ouvrir en octobre sur la ville. J'ai trouvé que c'était très intéressant, les différentes variétés de musique, on va dire. Aujourd'hui, le Conseil des jeunes citoyens est mobilisé pour la fête de la musique. Donc ils font partie du staff, ils ont notamment créé le stand CJC avec un retour en image du CJC des différentes actions qu'ils ont fait depuis 2 ans. L'occasion de la fête de la musique pour le CJC, c'est de présenter qui on est. Et aussi pour le 11 ou pour l'espace multimédia, de renseigner les gens sur les différentes actions possibles. Là, il y a la PS3, enfin, il y a les matchs de foot ou le baby-foot géant. Là, ça permet d'attirer les gens et de montrer que le 11 est actif. Pour cette fête de la musique, j'ai participé au casting et c'était surtout pour avoir notre avis. Oui, j'ai apprécié, surtout c'était mon petit-fils qui jouait de la guitare. Il s'amuse bien et qu'importe le temps. J'ai hâte de voir Corneille parce que déjà vu l'ambiance pour le moment, bah ça va être super. Alors on vit chaque jour comme le dernier, pas la papa. C'est bon, Tony. Merci d'avoir gravé la pluie ce soir. L'avantage de jouer en plein air, c'est que on a l'impression de chanter, et pour ceux qui sont là, on a l'impression de chanter pour tout le voisinage. On s'imagine qu'il y a des gens qui ont ouvert leurs fenêtres et qui sont invités au concert. C'est toujours hyper convivial et je suis très content, très heureux d'être avec vous ce soir. Comme on est beau, comme on est beau.